Posez vos plaquettes, nom d'une cacahuète. Et voici Aurélie. Et il n'est pas difficile, madame, de deviner que c'est vous la maman. Très bien. Et vous le papa. Exact. Qu'est-ce que vous faites comme métier ? Je travaille dans une banque. Ah, vous avez le numéro des coffres ? Je ne vous... Mais bien sûr, j'espère bien. Ah ben, j'espère bien, secret bancaire. Et vous, madame ? Je travaille dans une université. Ah oui, qu'est-ce que vous faites ? Je suis dans l'administration. Dans l'administration. Je vois que votre mari est banquier. Hein. Vous êtes couverte de diamants. Regardez les bijoux de madame. Hein. Belle. C'est à vous tous ces enfants ? Ah, ce sont des amis. Bonjour les amis. Bonjour monsieur. C'est un ami, c'est le grand. C'est papy. Bonjour papy. Ah oui. J'ai encore été une fois cette semaine, dites donc. Mon fils, croyant me faire plaisir, m'a téléphoné, oui. Je suis cinq fois grand-père maintenant. Mais ils sont cinglés. Est-ce que je ferais ça, moi ? Alors, il y a un truc dont j'ai horreur, c'est qu'on m'appelle papy. Je veux qu'il m'appelle Jacques. C'est à toi, ma chérie. Viens vite. Mademoiselle Aurélie, mesdames, messieurs. La ravissante Aurélie. Tu as une robe, dis donc. Ah. Et des bas ? Oui, mais j'ai vu ça. Ah oui. On ne peut pas parler des bas tout de suite. Elle est neuve, cette robe ? Non. C'est pas la première fois que tu la mets ? Non. Et bien, on dirait qu'elle sort de chez le marchand. Est-ce que c'est une robe qui tourne ? Oui. Fais-moi voir. Et voilà. Si vous voulez faire plaisir à une femme, messieurs, à une jeune fille, achetez-lui une robe qui tourne. Tout le secret de la robe... Chut. Il vient de faire pipi, ça. Ouais, oui. Moi aussi, mais vous ne pouvez pas m'emmener. Alors. Quel âge tu as, toi ? 5 ans. 5 ans. Tu es une gentille petite fille ? Oui. Ça marche bien à l'école ? Oui. Tu es la première ? Non. La deuxième ? Oui. Et là, c'est la deuxième de sa classe. En quelle classe tu es ? Maternelle. La maternelle, c'est ça. Quel âge elle a ? Elle a 5 ans et demi. Elle est pour la deuxième année en maternelle, non ? La dernière année, après, elle va rentrer dans l'enfer. Tu aimes bien ta classe ? Oui. La maîtresse est gentille ? Oui. Comment elle s'appelle ? Catherine. Elle s'appelle Catherine. Est-ce qu'elle n'a pas des cheveux comme ça ? Hein ? Elle n'a pas des cheveux comme ça ? Non. Elle n'a pas de cheveux ? Oui. Est-ce qu'elle a des cheveux noirs ? Oui. Oui, je la connais, c'est Catherine. Hein ? Oui. Elle n'est pas mariée. Je sais. Oui. Elle est mariée. Tiens, c'est pas la même. Elle est sévère ? Non. Est-ce qu'elle punit des fois ? Oui. Et qu'est-ce qu'elle donne comme punition ? Va là-bas. Une quoi ? Il faut aller où il y a le livre pour assis. Alors on va dans le coin, quoi, c'est ça ? Oui. Près des livres ? Oui. Est-ce qu'on met les mains sur la tête ? Non. Ah bah ça a changé, moi. De mon temps, on mettait les mains sur la tête. Ça n'existe plus, l'école. Tant mieux. On mettait les doigts comme ça. Tiens. 20 coups de règle. Voilà. Et quand la règle n'était pas fendue ? Oui, oui. T'as connu le bâton fendu ? Oui, oui. Et moi, j'ai connu à genoux avec le dictionnaire qui est sur un bras. Fallait quand même le faire. Et l'hiver, ça fait encore plus mal. Tu sais, les coups de baguette avec les mains froides. Ça a fait de nous des costauds. Absolument, mec. Tu es vraiment belle, tu sais. Tu as un fiancé ? Non. Non. Tu vas te marier quand tu seras grande ? Oui. Et tu feras un métier quand même ? Oui. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? Magicienne et avocate. Elle veut être magicienne et avocate. Et vous voyez, est-ce qu'un avocat, franchement, c'est pas un peu un magicien ? Hein ? Franchement. Un peu d'accord. Ah bah oui, il n'y a qu'à changer le chapeau, le rendre un peu plus pointu. Pourquoi avocate ? Parce que c'est bien, parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir et puis ils nous disent qu'ils sont méchants. Oui. Et puis nous, on leur donne une punition. Ah oui, confond un peu le tribunal, mais c'est bien. Et puis la robe est jolie. Quelle couleur elle est, la robe des avocats ? Je ne sais pas. Elle est noire. C'est pour ça que tu seras une grande avocate plus tard. Tu es couverte de bijoux. Qui est-ce qui t'a acheté tous ces bijoux ? Maman. Eh ben, dis donc.
Madame la banquière, vous avez, vous, le numéro du coffre, regarde-moi ça. Patrimoine. Viens voir ça. Oh là là, et là. Qu'est-ce que tu chantes? Nous. Tu la connais, cette chanson? Un peu. D'accord. Ils l'ont chantée tout à l'heure. On fera les chœurs. Sinon, les gens. Mais doucement. Donne-moi la note. Nous, c'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. Une histoire de rien du tout, comme existe beaucoup. Notre amour qu'on croyait petit a grandi quand tu es parti. Tandis comme une déchirure, comme blessure, mais pourquoi le silence? Pourquoi ce grand vide quand je pense à nous? Oh, on l'applaudit très très fort et on va lui donner une très bonne note, d'accord? Voilà, 10, merci. Génial. 10, bravo, 10. Voici la récompense, tous les enfants ont gagné, je suis lassé de le répéter, je ne veux pas faire de différence entre les enfants.